Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. Another digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. On y va pour les titres. 225 personnes présentes à un mariage le 26 juin dernier pourraient être inquiétées par les autorités. C'est ce mariage qui est à l'origine de la propagation de plusieurs cas positifs de la Covid-19. Entre-temps, la police a pu mettre la main sur deux invités qui fuyaient la quarantaine. Véritable hausse des nouveaux cas de la Covid-19 dans le pays. Plusieurs bureaux se retrouvent fermés temporairement. À l'instar du head office de la Sim Finance, un bureau de la Wastewater Management Authority à la brasserie ou encore la MITD de Suriname. Parallèlement, 14 nouveaux cas ont été détectés aujourd'hui. Le pays compte à ce jour 288 cas actifs de la Covid-19. Et on vous parle ce soir de cette belle histoire. Un Mauricien à Toulouse fait accoucher son épouse à domicile. 225 invités à un mariage pourraient être bientôt inquiétés par les autorités. Cette cérémonie qui a eu lieu le 26 juin dernier est aujourd'hui nommée le Cluster Mariage. Le nouveau marié testé positif à la Covid-19 est aujourd'hui en quarantaine, ainsi que ses proches. Après ce mariage, plusieurs cas positifs ont été recensés. Selon le DCP Joe Grew, ces 225 invités risquent gros car il était interdit de se rassembler à plus de 10 personnes. D'après l'information que nous avons gagnée, il y a un NICA qui fait une place, une réception qui fait une place. Alors tout ça, détail, là, nous peut ramasser. Mais est-ce que tout ça va nous dire là, en même temps, présent à cet endroit-là? D'après l'information, c'est un espace bien restreint, c'est une bonne quantité de monde. Nous connaissons à peu près combien de monde? C'est un chiffre qui n'a avancé, 225, 250. Là, nous avons besoin de 70 personnes qui nous initient tout ça là, nous ne commençons pas à bannir là. Mais là, nous avons tous 70 personnes qui sont présents là dans le mariage. Quand je connais, je n'ai pas besoin de présents dans le mariage. Alors, justement, la présence dans le mariage, c'est une chose et l'organisateur, c'est autre chose. Est-ce que ces deux catégories-là pour traiter pareil, c'est-à-dire les invités et. La présence dans le mariage, guette mobile de présence dans le mariage. Des gens là connaissent qui n'ont pas le droit dans le mariage. Les clés net avant le 1er juillet, les clés net qui tu connais juste mariage civil. D'accord, au moins, c'est dit du monde qui a l'air dans l'état civil pour être mariage. Ouais. Mais ça, définitivement, je n'ai pas de culpabilité. Du monde qui n'allait, tout ça là, c'est. Si n'habitement, je connais pas besoin de mariage. Si mon allait, c'est ma faute. Hein. Donc là, les personnes qui étaient recherchées nous comprennent que la police finirait trouver eux. Oui, nous retrouvons eux là. Donc, est-ce que l'organisateur, les mariés, est-ce que tu n'es pas interrogé? Mais nous n'avons pas encore interrogé. Je suis en quarantaine, tu, les deux? Quarantaine positive. Nous n'avons pas encore interrogé dans l'état. Enfin, nous-mêmes, n'est pas safe. Vous comprenez? Et la police a pu mettre la main sur les deux fuyards, Wahed Kader et Zuber Konaï. Les deux hommes habitant Port-Louis et Vallée des Prêtres, respectivement, étaient recherchés depuis 5 jours par l'équipe de contact tracing du ministère de la Santé. Ils sont liés au cluster de Terre-Rouge. Les deux hommes ont été transportés à l'hôpital Ambre pour leur quarantaine. Les cas positifs à la Covid-19 flambent à travers le pays. Des employés testés positifs dans plusieurs entreprises et corps para-étatiques ce mardi. Le protocole sanitaire déclenché aussitôt à la Sim Finance de Port-Louis. Un membre du département logistique de la Sim Finance est actuellement admis dans un centre de traitement. Par mesure de précaution, 3 locaux de Sim Finance à Port-Louis ont été désinfectés ce mardi. Et ce n'est que demain que le head office à la rue Edith Cavell, le Mutual Aid Building et le bureau de la rue Saint-Georges rouvriront leurs portes. Ce même protocole a été appliqué à la Wastewater Management Authority de la Brasserie, à la MITD de Suriname et à l'usine Tropic Knits de Forestside. Une multiplication des cas qui inquiète les professionnels de santé, d'autant que 130 personnes qui ont déjà été vaccinées ont contracté le virus.
Et selon les derniers chiffres du ministère de la Santé, 14 nouveaux cas de la COVID-19 ont été détectés cet après-midi. 7 cas en quarantaine, 3 dans le COVID-19 Testing Center de l'hôpital SSRN et 4 autres cas grâce aux exercices de contact tracing. Le pays compte à ce jour 288 cas actifs de la COVID-19. Des habitants des zones rouges voient rouge et à chaque fois qu'une région est décrétée zone interdite, des habitants peinent à s'en sortir au quotidien. Vous le savez, plusieurs quartiers sont interdits d'accès depuis 20 heures hier. Il s'agit de Cité Martiale ainsi que d'une partie de Plaine Verte, Le Hocher-Terre-Rouge et Richter. Nous avons rencontré les habitants de ces régions. Regardez. Nous nous sommes dans la case, nous ne pouvons pas paniquer parce que nous avons une année, nous avons une année, nous avons une année dans la zone rouge. Hier soir, nous apprenons que nous avons une année dans la zone rouge. Mais il n'est pas évident de faire le travail, nous avons fait la sortie comme un bizarre. Ce n'est pas facile quand on dit que nous sommes malades. Et puis la personne qui nous fait test, ce n'est pas qu'ils nous gagnent, pas nous gagnent. Et comment la commission, tout ça, comment ça peut faire? Nous pouvons penser qu'ils nous sont là, après, pour connaître. Parce que c'est pour ça que là, il m'a dit que c'est là qu'il est passé dans la zone rouge. Là, aussi dans la zone rouge. Mais hier, qu'il nous apprend qu'il est dans la zone rouge. Mais nous avons fait quoi? Puis je n'en ai. Quand je faisais faire mon camarade prend les légumes pour moi, là, je suis casse que je suis là, ça aime. En chemin et comme la peau. Moi, ça faisait juste que j'ai grillé ici. Et il avait pris un vin à la case. Dans 20 la case, ça, juste 3 qui étaient pénalisés là. Et nous condamnons sur le chemin là. 17 la case, ok. 18, 19, 20, ils tombent dans la zone rouge. C'est ça, nous même. C'est drôle. Et où, de là, qu'on peut faire pour abandonner la provision? Parce qu'il y a ce qu'il y a, il y a fait non. Et moi, je n'ai pas dit, il y a fait non. Toujours des couacs lors de cette rentrée en présentiel au niveau du primaire. Ce mardi, ce sont les élèves de grade 1 à 3 qui retrouvent les bancs de l'école. Plusieurs parents ont eu la désagréable surprise de se voir interdire l'accès à l'établissement scolaire de leur enfant, malgré le fait qu'ils étaient en possession de leur carte de vaccination. Les parents n'ont eu d'autre choix que de se regrouper devant les grilles de l'école. Une situation vivement décriée par cette mère de famille, dont la fille est admise dans une école des Plaine-Willems. Selon elle, les responsables d'établissement font fi des directives du ministère de l'Éducation. J'ai ma carte de vaccin. Quand je suis partie, il y avait plein de monde devant la porte de l'école. Et j'ai présenté ma carte de vaccin, mais le monsieur qui était devant la porte, je crois que c'était un caretaker peut-être, il m'a dit de laisser la fille partir, de lui donner son sac. Et ma fille est en grade 1, le sac était vraiment très lourd parce qu'elle a dû apporter tous ses livres aujourd'hui. J'ai trouvé ça vraiment aberrant parce que normalement, on laisse les parents, là je sais qu'on est en situation de COVID-19, etc. Peut-être il y a des précautions, tout ça à prendre, donc c'est pour ça qu'on ne laisse pas les parents entrer. D'accord. Mais pourquoi exiger la carte de vaccination? Et ne pas laisser entrer le parent. Vous voyez, j'ai trouvé ça vraiment aberrant parce que normalement, on doit laisser au moins le parent entrer. Et la grande rentrée en présentiel a aussi eu lieu ce matin pour les nouveaux élèves des académies. Ceux en grade 10 ont pris connaissance de leur nouvel environnement et l'un des plus grands changements de cette rentrée. Les filles sont admises dans les collèges longtemps réservés essentiellement aux garçons. Et vice-versa, des aménagements ont dû être apportés à l'infrastructure des collèges pour permettre cette mixité. Regardez. C'est l'histoire qui peut créer. C'est 200 ans l'histoire du collège royal de Kepip. Et c'est la première fois qu'il nous peut accueillir un mixed cohort of students. Donc, idéalement, il y a 90 filles, 90 garçons qui répartissent en 5 classes des 36 élèves. Et oui, tout finit bien démarré, c'est quand même exceptionnel. Et nous accueillir tous nos bons étudiants à bras ouverts, je fais maintenant partie de la famille RCC. Et donc, pour répondre à vos questions, qui est le projet de réaménagement nous finissons faire pour les filles surtout, parce que depuis deuxième année, c'est que les garçons qui fréquentent le Zoual de Capip. Donc, principalement, ce sont les toilettes. Toilette, je suis capable de dire que pour une fille, une fin prêt, complètement à 100% avec ce changing room et tout.
Donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Même dans les gymnases qui, a priori, maintenant ne sont pas capables de servir inside à cause de la COVID situation. Mais même là-bas, il y a une toilette et une changing room qui finit prêt. Et donc, les autres réaménagements, ils peuvent faire, nous pouvons continuer à faire, en temps et lieu, qu'on peut y aller. Mais pour l'instant, principalement, c'est ça la question, est-ce que les toilettes sont prêtes? Oui, toilettes finies prêtes. Nous, étudiants, et les garçons et les filles dans grade 10 pour la première fois au clôturage de Kepip, nous finissons bien intégrer les systèmes, la famille. Et voilà pour Diabanla, welcome to RCC. Deux familles appelées à déposer devant le Fact-Finding Committee institué pour faire la lumière sur les circonstances dans lesquelles 11 patients dialysés sont décédés pendant la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19, parmi la famille Gibbon, dont le père de famille, un dialysé testé positif, est décédé le 11 avril dernier. Trois membres de la famille, dont la veuve et les deux enfants du décédé, ont été convoqués cet après-midi. Ils ont dû faire part de leur doléance à la présidente du comité, l'ancienne juge Deviani Bisundoyal, et ses deux assesseurs, à savoir que le Fact-Finding Committee a déjà démarré ses travaux depuis la fin du mois de juin. Des poissons morts découverts à Pointe-Desnie ce matin, ce sont des habitants de la région qui ont alerté les gardes-côtes et les forces vives sur la présence de ces poissons morts. Des traces d'huile ont aussi été retrouvées sur place. Tony Apollon, porte-parole du comité des plaisanciers du Sud-Est, est d'avis qu'il s'agirait de residual oil provenant de l'épave du Wakasho. Des plaisanciers ont porté plainte au poste de police de Blue Bay, affirme Tony Apollon. La découverte de poissons jette un froid sur les opérateurs qui devaient reprendre leurs activités. Depuis quelques semaines, les habitants de Pointe-Desnie, ils me disent moi que souvent, je dis à nous, il y a une trace de l'huile à la plage. Et là, aujourd'hui, grand matin, les choses peuvent empirer. Il commence à avoir des poissons morts, il commence à avoir plusieurs poissons. D'ailleurs, il y a une vidéo qui pousse à qu'il est, qui nous fait. Donc, moi, mon pénal de choix accuse directement les autorités pour négligence. Parce que, quand même, la partie la plus dangereuse en ce moment trouve l'eau barrière, le corail. Alors qu'ils promettent nous, d'ici février, pour finir, enlève tout le bout qui est dans l'eau barrière. Je vous retrouve après la pub. Ma vocation, offrir un service client de classe mondiale pour relancer le tourisme. Ma vocation, bâtir les plus beaux édifices de l'île Maurice moderne. Ma vocation, conquérir les plus grands marchés à Maurice et au-delà des frontières avec des produits de qualité. Ma vocation, c'est mettre tout mon savoir-faire dans la réussite de mon entreprise. Vivez votre vocation sans détour et faites confiance à Juristax pour le reste. Notre vocation, doter votre entreprise d'un encadrement professionnel et efficace avec nos services de comptabilité et de gestion de paye. Juristax, let's grow together.
Dimonico, j'ai salé le terrain vague. De poupée, 3000 roupies la manne. Dimonico, j'ai salé dans le drain. Dimonico, j'ai salé dans la rivière. Dimonico, j'ai salé partout, partout. Dimon pour dénoncer, salé le la place. Poupée, 5000 roupies la manne. Dimonico, j'ai salé dans le drain. Commercial, industriel, la casse aux animaux. Ou bien des bruits constriction dans la natie. Top ou paye 25 000 roupies. La manne, ou c'est saleté. Dimoun tchè ou photo. Dimoun y gozou, le WhatsApp. Numéro 52 50 51 51. Dimoun y gozou. Ensemble, nous change nos comportements. Et nous protège nous l'environnement. Dimoun y content ou. La natie y content ou. Aïe aïe aïe. Dimoun y gozou. C'est une campagne ministère l'environnement. Amriz, sparkle your lifestyle. Kick Advisory Services is a client-centric boutique advisory firm servicing clients across Africa, India, Dubai and Mauritius for a large number of industries. Our services, valuation, M&A advisory, fundraising, business restructuring and strategy. Visit kickadvisory.com for more details. Kick Advisory Services, focusing on corporate finance. Kick Advisory Services, focusing on corporate finance. Visit kickadvisory.com for more details. Accident de la route à Jinfei cet après-midi. Un 4x4 s'est retrouvé les quatre roues en l'air après une collision avec une voiture. Les occupants des véhicules s'en sortent avec des blessures mineures. Parlons sport à présent. Ils peuvent enfin souffler après plus de 4 mois confinés. Les joueurs des équipes nationales de tennis de table et de badminton ont repris le chemin du gymnase hier, tout en respectant les protocoles sanitaires mis en place. Au Centre national de badminton à Rosil, les badistes, raquettes en main, affichaient leur joie de pouvoir retrouver leur court. Ça fait déjà 4 mois qu'ils nous prennent du badminton du tout et ça a vraiment manqué nous. Parce que nous, c'est ça qui nous deuxième la case, nous veut dire. Et c'est un sport qui, mieux que ça, qu'on donne. Il y en a l'amour, nous dédié pour ça. Et maintenant, après 4 mois, nous revenons là aujourd'hui. Mieux que ça, qu'on donne. Qui nous retrouve, we are back on the court. Enfin, peine à mot, mais nous extra contents parce qu'ils nous retrouvent nous la famille du badminton, c'est tout. En fait, moi, je suis déjà venu m'entraîner avec Julien parce que Julien se préparait pour les Jeux Olympiques. Et je m'entraînais jusqu'à la fin de juin. Et malheureusement, vu que je viens de partir en Espagne, le gymnase s'est refermé encore pour le confinement. Donc ce qui fait que j'ai dû être en pause moi aussi pendant un mois. Et c'est après un mois que je reprends l'entraînement. Et physiquement, c'est pas pareil. Charles de côte, c'est un peu plus dur. Donc la reprise est un peu difficile, mais je pense qu'au bout de 2 semaines à 3 semaines, ce sera OK. Ça fait quand même depuis mars que je n'ai pas vu mes coéquipiers, donc ça fait vraiment plaisir de reprendre sur le coup. Et on espère donner le meilleur de nous-mêmes actuellement. Idem au complexe sportif de Beaubassin, les pongistes étaient tout contents de retrouver leurs camarades d'entraînement et leur coach en attendant de pouvoir reprendre leur compétition qui, pour l'heure, reste interdite. On est très content et très motivé. Il nous fait commencer aujourd'hui. À cela, il nous a enfin écouté parce qu'il nous rate beaucoup. Après 4 mois, nous répondons aujourd'hui. Et nous avons un petit groupe. Bien sûr, après ça, nous motivé parce que nous sommes la fédération pour organiser la ligue pour changer la bourse. Et puis nous avons fait une performance. Oui, il est très important pour nous respecter le protocole sanitaire, mes masques, la distanciation sociale, ça là. Mais ça pas empêche nous entraîner parce qu'il nous peut faire aller et que nous assez conscients qu'il nous besoin faire aller pour qu'il nous capable de continuer l'entraînement sinon nous nous couper dedans. Je suis content, surtout après un long arrêt de plus de 5 mois, donc pas évident, mais le plus important, retourner un petit peu dans nous la maison, comment dire ici, nous la salle, retour mon camarade qui longtemps vente aux œufs, tape un peu la balle. C'est ça le plus important pour le moment. Bien sûr, 5 mois, pas si évident au commencement. C'est un petit physique pour se motiver, mais après, pas évident du tout. Maintenant, après 5 mois,
L'objectif plutôt c'est là, tape un petit peu la bague, un peu sensation, un peu feeling. On vous emmène à Toulouse ce soir pour vous raconter cette belle histoire. Un Mauricien de 38 ans a aidé son épouse à accoucher à domicile. Le couple était seul dans son appartement quand la future maman a ressenti de fortes contractions. Alors qu'il se préparait à se rendre à l'hôpital, celle-ci a tout de suite averti son époux que l'accouchement est imminent. N'ayant aucune connaissance médicale, étant lui un employé en bâtiment, Jean-Yves s'est retroussé les manches, ne s'est pas posé de questions et a aidé son épouse à mettre au monde leur premier enfant. Tétanie commence avec des contractions vers 4 heures du mat. Bon, il y a un suivi ici qui nous connaît, comment compter un bain de contractions, tout ça là. Et au fait, ce contraction, lui, par contre, il accélérait, mais ultra rapide, qui fait qu'il nous vangait les temps à la clinique. Et finalement, arrivé à l'air, nous, pour ma femme, mon fils, il est temps de descendre dans l'auto, mettre toute sa valise, tout ça là, parce que quand on vient de l'hôpital, nous avons une valise, un équipement. À ce moment-là, ben, il est temps de remonter. On trouvait que la situation est grave net. Donc, il a besoin de prendre les choses en main et faire aller en live, en place là-bas même. Et du coup, ouais, ma madame dit à moi, ouais, mais au fait, tu es une douleur qui lui a pas mort, c'est pas dans le tout. Donc, nous prenons les choses en main. Nous avons un bon réflexe sur le coup. Bravo, ma madame, qui écoute sur l'écho déjà. Et moi, au cas d'y avoir, je très flexible aussi pour me. Écoutez ce qu'il peut dire moi parce qu'il va être capable d'entêter en disant ben non, nous pas à l'hôpital parce qu'il faut... Et heureusement que ça ne passe comme ça parce qu'au final, finalement, il y a une maribon l'expérience pour nous parce que voilà, petit né, étant mon trou sur la tête, sorti, enfin, mon. Il fait là pour réfléchir 4-5 façons, en fait, et dans une seule solution, c'est que tu vas voir, vous allez bien. Donc, d'une gamme de bon réflexe sur le coup, tu vas pas une sortie, ou après, tu vas pas me mettre sur maman, peau à peau, on couvert sur la couette. Et après, je vous ai dit que c'est un soulagement instantané parce que là, nous dit, ouais, tu vas pas une arrivée. Nous nous cassons un peu, nous nous camouillons, nous nous rions nous-mêmes, avec ma madame. Et du coup, c'est juste une expérience extraordinaire quand même. Et on clôture cette édition avec ce single de Martine Fong. Il s'agit de son 4e opus, un single qu'elle signe aux côtés de l'homme G. Je vous laisse découvrir. Cette chanson a vu le jour depuis le confinement dernier où l'homme G qui m'appelle et qui me propose ce titre et tout de suite j'ai dit oui parce que d'une part les paroles me parlent et parce que ça parle d'une femme qui est amoureuse et qui n'ose pas forcément dévoiler ses sentiments à l'autre et puis ben, je me suis dit c'est un message aux femmes aujourd'hui que ben, c'est pas réservé uniquement aux hommes de parler de ses sentiments, de s'exprimer et de s'assumer tout court. Et voilà, et en plus l'homme G qui est en featuring sur ce morceau. Pourquoi l'homme G? Ben, moi j'ai eu un coup de cœur par rapport à sa voix, son timbre vocal. Il a une signature dans la voix et j'ai dit oui. Et voilà, le résultat est là, le bébé est enfin arrivé.
C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivie. À suivre, Euro le Mag avec HFAC Saroire.